Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous revoici pour une nouvelle vidéo du co-op de Dead Space 3 en compagnie de Bombo. Bonjour à tous. Bombo qui est là pour l'épisode 11 de Dead Space 3. Ça rime. Difficulté en difficile avec la réanimation. Petit résumé de ce qui s'est passé avant. On a un peu trotté dans la neige, dans un complexe. On a retrouvé donc Ellie. On a appris l'existence d'une espèce d'arme, de sonde en fait, qui permettrait de localiser le marqueur, c'est ça, non? Ouais, ouais. En gros, de localiser la source qui transmet des messages apparemment aux nécromorphes. On n'en sait pas trop, voilà. Et on a eu une petite phase aussi en quête secondaire, un peu sur l'histoire de Carver. On a suivi une femme que j'ai aperçue dans la neige là. Où Pombo a un peu déliré du début jusqu'à la fin de la mission. Des cadeaux. Il voyait des cadeaux, des jouets, des petits soldats. Enfin bref, c'était un délire. Moi je voyais rien. Vous imaginez même pas le moment de solitude que j'ai passé. Lui il avait l'air de s'éclater. Moi à côté j'étais là. Mais qu'est-ce qui se passe quoi? Je comprends rien. Bon bref, on y retourne. C'est parti. Là, on doit récupérer trois composants pour construire la sonde dans ce qui est un entrepôt. C'est un entrepôt, c'est ça? Un entrepôt un petit peu cassé, quoi. Il a été ravagé par on ne sait quoi. Nous allons le découvrir. Allez, c'est parti. On y va. Commencez maintenant. Petit temps de chargement. Vérification, générateur d'inertie, ok. On est là. Ah oui. Pourquoi on les retue et puis après on retourne à l'entrée. Ah il en reste un. Il est là-bas. Il en reste un autre. Il est où? Il est où? Ah, il merde! Attends, il y en a encore un. Il est où? Il est là. Merde. C'est bon. Tiens, mange. Donc voilà, petite phase avec... nos amis qui étaient d'ailleurs déjà dans Dead Space 2 à l'époque. Comment ils s'appellent eux déjà? C'est les Stalkers. Ouais, c'est Stalkers quoi, voilà. En gros, ils se cachent derrière des caisses et ils nous attaquent en traître. En nous fonçant dessus. Voilà. Ouais, ils me font penser à des Raptors. À cause de leurs cris, ouais, j'avoue, moi aussi. Voilà, comportement en plus. Ils se cachent, ils te font dessus. Ils fonctionnent en groupe. Ouais, c'est vrai. Bon, allez, hop, on repirate la console rapidement. Ah, tu t'es perdu. Merde. Voilà. Yeah! Système débloqué. On y va. Donc vous allez découvrir l'entrepôt qui a été un petit peu ravagé, comme l'a dit Bombo. Et voilà. Les gars! Je sais pas sur quoi ils travaillaient ici, mais on dirait qu'ils ont saccagé la moitié de l'entrepôt. Oh non! Et pour les pièces du détecteur? Trois pièces, c'est ça? Bon, ça va pas être simple, mais je vais voir. Ok. Il y a des chargeurs ici. Ah bah attends, j'en veux bien moi des chargeurs. Trousse de soins, y a rien d'autre. Bon bah on y va.
Putain, t'as des armes de malade, n'empêche. Elles sont énormes, tes armes, à chaque fois. Moi, regarde, franchement, en comparaison, regarde, mes armes, elles sont toutes petites. Tu veux ? Ouais, c'est ça. T'as tout compris. Faut prendre l'échelle. Il y a... ouais. Pourquoi on peut prendre... on peut descendre en bas ? Il y a un truc à télékiniser ici. Oh ! Je sais pas ce que t'as fait, mais... ça monte une cage. Et y a quoi dedans ? Bon, on va pas tarder à le savoir. Bon, allez. Elle monte encore la cage, là ? Non, faut, en fait, je crois qu'il y a quelqu'un qui reste ici. Après, quelqu'un descend de voir ce qu'il y a dedans. Elle reste pas en haut. Bah attends, on fait ça tout de suite. Ah, elle reste pas en haut ? Bah attends, je vais en bas. Je vais en bas. Ah. Juste un petit coup d'œil. Oula, j'aime pas ce bruit. J'aime pas ce bruit, il y a des monstres. Où ça ? Ah non, c'est bon. Ouh, il y a pas mal de trucs en bas. Bah va. Une pièce, j'ai trouvé une pièce. Allez à la cage. Attends, ouais, j'arrive. Arrête de me vouvoyer, je te jure, c'est insupportable. J'ai trouvé deux pièces de la sonde. Et la troisième, elle est là. Maintiens-la. Ah non, qu'est-ce que c'est que ça ? Je peux pas rentrer ? Ah si, c'est bon. Ok, Santos. Non, c'est bon, on les a. Toutes les pièces. Excellent. Vous pourrez le reconstruire ? On va utiliser le plan sur un établi. Rien de trop compliqué. J'arrive. Tu arrives. Ah, elle est grande, l'échelle, hein. Ouh, j'ai cru que, j'en fais, que ça en terminerait jamais. Te voilà. Allons-y. N'empêche, je remarque un truc. Bon, mis à part les décors avec la neige, que c'est joli. En fait, j'ai l'impression, hein, c'est peut-être moi, mais tu trouves pas que les graphismes étaient mieux dans Dead Space 2 ? Ah non, j'ai pas cette impression-là. Que c'était un peu plus joli. Pas du tout, non. C'est plutôt pareil. Hein. Ouais, mais les décors en intérieur... Oula. Oh putain de merde, il est là. Salut, ça fait longtemps. Oh putain, ça fait longtemps, toi. Cours. Aïe, putain. Ah, il m'écrase. Moi aussi. Il est où ? Sur moi. Ah. Il va me tuer. Ah. Il défonce la gueule, là. Ouais, mais moi aussi, là. Tire. Ouais. On l'a eu. On va l'avoir. Vas-y, shoot-le. Et il est à terre, là. Reste à terre. Ah, je vais mourir. Attention, il arrive. Ah. On l'a eu. Non, mais pas encore. Vrai. Oh putain!
Tire, il reste une glande. Ah, ça me tue. J'ai presque plus de stats. Ah, s'en va. Oh putain. Encore foutu le camp avant de mourir. Ah merde, on n'aura jamais la paix. Si le capteur marche, on pourra localiser la machine. Cette planète ne nous tue pas avant. On la trouvera. Je reviens très vite. Eh ben, j'ai plus de munitions dans l'autre arme, donc du coup, je vais prendre mon double plasma. Hey, quelqu'un s'est rendu à l'armurerie? Non. Pourquoi? Oh merde, c'est ce que je craignais. Quelqu'un y a laissé des signaux récemment. C'est pas vrai. Tu penses que c'est les hommes de Danik? J'en aurais le cœur net. Alors, où faut-il aller? Par là. Mission facultative. Les pièces de l'armurerie. Protéger les stocks de l'armurerie. Et c'est où la mission facultative? À la porte! Elle s'est déverrouillée. C'est là. J'arrive, je suis. C'est bon, t'es derrière? Derrière. On y va. Il faut qu'on aille à l'établi, là. J'ai plus de munitions. Ah bah parfait, ça tombe très bien. Méca charognard de retour, ouais. Bloc moteur sonde, lance-sonde fabriqué. Ah putain, je suis obligé de la remplacer par une de mes armes. Est-ce qu'on doit le faire tous les deux? Parce que moi aussi, je l'ai fabriqué, là. Ah bon? Ouais. Bon bah en tout cas moi je le fais, c'est bon. Répliquant. Ok. 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 Bon, alors attends, c'était quoi que je voulais faire? Ah oui. Je voulais aller modifier mon arme. Attends, je modifie un peu mon arme du coup, vu que j'en ai une en moins. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre la recharge. Waouh. Très dangereux pour du matériel scientifique. Je fais quoi avec? Il me semble que les scientifiques prenaient des mesures internes. Donc, je suppose que nous allons devoir lui ouvrir le ventre. Alors c'est peut-être qui expliquerait les harpons. Sympa. Super. Sympa tout ça. Que de réjouissance. Bon, je suis bon, t'es bon? Moi aussi, ouais. Ok, bah on va y aller alors. Je vérifie un dernier truc. Non. Non. Non, c'est bon. Viens-tu? Bientôt, mon cher ami. Juste le temps de refaire un peu mon inventaire. Je vais construire une dinabar. Ouais, moi aussi. Comme ça. Comme ça, on est tranquille. C'est bon. Ah non, c'est pas bon.
Attends, je crois que je t'ai envoyé quelque chose que j'aurais pas dû t'envoyer, je crois. Quoi donc ? Un module de soins pour les armes. J'en ai besoin. Module de soins pour les armes ? Ouais. C'est quoi ? C'est à l'établi ? Ouais. Non, ça doit être dans ton inventaire. Regarde ton inventaire. Non, il y a rien. T'as rien ? Module de soins. Non. Ça s'appelle, truc soin bizarre, quelque chose comme ça. Quoi, super médical ? Ouais. Tu peux me le redonner ? Merci. Merci. Parce que j'en ai besoin, moi. Hop. C'est très pratique, le support médical. Voilà, c'est bon. J'arrive. Bah, je suis prêt. Ah, il y a une cabine d'essayage. Oh merde, j'aurais pas dû dépenser toute ma ferraille. Bon. Tu passes pas à la cabine, toi, t'en as pas besoin ? Je suis allé tout à l'heure. Ah, t'y es déjà allé ? T'es établi. Ok. Allons-y alors. Donc apparemment on doit protéger le stock de munitions. Protéger. Un autre établi ? Mais attends, on est où là ? Encore ? Ah non ! On va là et maintenant on va à l'armurerie. Normalement c'est débloqué. Je comprends rien de ce truc moi. Armurerie. Non, c'est là. Mais... c'est... on est à l'armurerie. Ah bah alors. Dehors. Faut prendre un ascenseur. En fait, ça sert à rien ce truc là. En fait, le train il bouge pas. C'est un train immobile. Si, c'est là. Apparemment, vous montez ou descendre. Non. Bah là, apparemment, on descend. Ah ah. Oula. Il a dû se passer quelque chose. Des munitions. Bon bah prêt à ouvrir la porte. Prêt. Il y a un verrou ici. Circuit d'amélioration, plus de recharge. Ouais. Oh putain, sur le côté. Non, c'est bon. Amplificateur statique. Une clé. Donc on doit prendre l'ascenseur, pas le choix. Logiquement. Oula. Ah, ça tire comme ça ce truc. Fort. Ça tire par rafale de 4. C'est quoi, c'est le lançon ça? Ouais. C'est une arme aussi. Ouais, c'est une arme. Et c'est puissant? Bah je sais pas, j'ai pas essayé encore. On est censé aller à ces portes-là, non? Attends, il y a des objets. Donc...
Un choc laser. Un choc laser. Ouh, sympa. Sympa, ça va peut-être nous offrir une putain d'arme là. Bon bah faut aller par là je crois. On y va. Parti. Apparemment c'est bon. Ah non c'est pas bon. Attends je récupère toutes les munitions que je peux moi. Jamais assez de munitions c'est dingue. Comment tu fais toi pour avoir... pour jamais tomber à court de munitions? Bah, j'utilise manque pas peut-être. Possible. Il y a un truc à activer ici. Et c'est reparti pour un tour. Non. Yeah! Bien joué! La porte. Alors attends, il y a une porte là, et là, il y a un truc. Non, ici, il n'y a rien. Oh le gros morceau de chair que t'as pris. Et une porte. Oula, c'est un piège. Derrière toi. Aïe! On m'a tapé dessus, on m'a craché de l'acide, je sais pas trop. On y va. Oula! Oh, c'était quoi ça? C'est un mec qui vient d'exploser, j'ai l'impression. Bref, ça a l'air très sympathique. On y va? Ouais, on y va. Ouais, super accueillant comme endroit. Il y a des gens, ils explosent, tout ça. Et il y a un message. Trouvez-les-moi toutes, jusqu'à la dernière, soldat. Désolé, général Mad, mais sans la clé de l'armurerie... Votre nom, soldat. Kaufman, ah bah tiens, Kaufman. Soldat Tim Kaufman, chef. Vous aimez les patates? Oui, chef. Je suppose, chef. Je trouve... Bien. Parce que si vous ne trouvez pas cette putain de clé, et que les munitions ne partent pas ce soir, vous passerez le reste de votre misérable carrière à éplucher des patates, matin, midi et soir. Je te jure, le général Mad, il a trop des questions bizarres. Tu aimes ton père, tu aimes ta mère? C'est bien. Tu aimes les patates? Bah oui, je suppose. C'est bien. Non mais ça, il est archi bizarre. Il pose des questions, les réponses elles sont évidentes.
T'as une sulfateuse incendiaire en fait, toi. Ouais. La clé doit y être. Qu'est-ce qu'il y a de si important? Des munitions. Et... Je vois, sur la passerelle. Attendez. Merde, en bas. Encore un message. J'ai une bonne nouvelle. J'ai trouvé une clé d'armurerie. Cool. Utilisez-la avant de crever. Merci, Carver. Attends, on réécoute le message, ouais. Oula. T'as repéré quelque chose d'intéressant? Non? Non. Il faut qu'on remonte là-haut. Pour aller ouvrir la porte qui a besoin de la clé. Merde, j'arrive pas à appuyer sur le bouton. Ah voilà ça. Et alors, c'est puissant ou pas finalement l'espèce de lance, je sais pas quoi là. Ouais, c'est pas mal comme arme. Hein. Ah ouais. C'est des dégâts électriques. Et, ça attire des javelots. En fait, c'est comme un pic de télémesure, mais avec des dégâts électriques quoi. Ouais. Oula! Ah. Oh bah, j'ai désactivé la porte. Il est mort. Ah, peut-être d'autres. Oh putain! Putain, la saloperie, elle m'a bouffé toute ma vie. L'armurerie, on y est. Je vais désactiver, enfin, pirater la console. Alors, voyons voir. Et voilà, le tour est joué. On n'est pas déjà allé par là? Si. Oh merde, c'est un piège. Au plafond, au plafond. Il y en a qui se déplacent au plafond. Derrière toi, derrière toi.
pense que c'est bon. Alors, t'as la porte avec la clé ici. Elle est où? Juste. Elle est juste là. Attention. Attends, il y a des trucs sur les côtés, non? Non, il y a rien. Là non plus. Ok. Bon, on y va. Parti. Allez, on va se les faire. Oula. Des bruits de tir, on dirait. Genre des balles qui ricochent. Bon. T'entends pas ? Non. Fermez-la. Il a atteint les munitions. Derrière toi. Derrière toi. On dirait que c'est bon. Bon, après moi il sera temps que j'aille faire mon petit marché parce que là j'ai récupéré beaucoup de trucs quand même. Ouais j'arrive tout de suite. T'es où? Au coffre. Ah je suis plein. Ah moi pareil. Et bon. Bon bah voilà, on a récupéré ce qu'il y avait dans le coffre. Objectif atteint, yeah! Et là, peut-être que maintenant on peut prendre le train pour revenir à notre position d'avant. Attends, mais j'ai pas encore tout ramassé. Ah. Je suis tellement chargé. Attends, il y a un établi ici, non? Non. Y a pas d'établi. J'ai tout. Je t'attends au petit tram. Bah. T'es sûr qu'il y a le tram? Bah, je sais pas, on peut toujours réessayer. L'objectif est l'ascenseur. Bon, moi je monte, hein. Je t'attends. Tout est verrouillé encore. Bon. En fait, on y va à pied à chaque fois. Bah, en fait, ouais, j'ai l'impression que ça sert strictement, mais alors strictement à rien. Ou peut-être après, ça va nous servir. Faut aller à quel ascenseur? Ah, là, à droite. Celui-ci? Ah, ouais. Bon bah écoute, moi ce que je te propose c'est qu'on arrête la vidéo là. D'accord.
Comme ça, voilà, on a fait une petite mission secondaire, tranquille, pépère. On fait ça ? On fait ça. Ok. Bon, bah écoutez les gens, nous, on va se quitter. Et on vous dit salut et à bientôt et à demain pour une nouvelle vidéo du coop de Dead Space 3. Allez, salut à tous, ciao. Ciao.